Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para descubrir el mes latinoamericano Montreal desde hace 5 años, les vamos a presentar una recorrida de algunos restaurantes. Du Chili jusqu'au Mexique, la cuisine de l'Amérique latine regorge de plats très typiques et délicieux. Aujourd'hui, on ne fera pas un top 5 ou un top 10. On va surtout s'intéresser à quelques adresses qui méritent vraiment le détour. La plupart des commerces qu'on va visiter sont situés autour du boulevard Saint-Laurent. C'est souvent là que les immigrants arrivent en premier. La première grosse vague d'immigrants d'Amérique latine est arrivée à la fin des années 50. Le premier restaurant qu'on visite, c'est la Chilinita, qui est située sur la rue Roy, une super belle rue piétonne. C'est un restaurant chilien qui a vraiment une très grande variété de plats, mais leur spécialité, c'est vraiment les empanadas. C'est une espèce de petite pâte repliée qui est un peu vulgairement l'ancêtre des pizzas pochettes. On y met surtout de la viande à l'intérieur. Chilinita. Non, la chilenita. La chilenita, pardon. Empanadas chilenas. Donc, c'est des empanadas chiliennes. Alors, goûtons à ça. Très bien assaisonné. Bon petit goût. Alors, et maintenant, je vais goûter au poulet. Bon, je pense que j'aime encore mieux ça. Plus savoureux. La chilinita, c'est parfait pour le dîner ou pour un petit snack d'après-midi. Les empanadas sont vraiment pas chères. On s'en va maintenant à un autre restaurant d'empanadas, cette fois-ci un restaurant argentin. Dans ce resto, il y a une empanadas différente pour chacune des provinces de l'Argentine. Et évidemment, il faut le choisir à la viande parce que l'Argentine est reconnue pour ça. Ils ont aussi un bon choix de dessert, mais ça, on va y revenir. Donc, encore une fois, ici, des bons empanadas, pas cher. On est maintenant rendu au Sabor Latino, qui est un resto, mais aussi une épicerie. J'avais le goût de me faire des bons tacos. Bon, je sais pas si le cactus, c'est bon dans un tacos, mais je vais passer mon tour. Si vous trouvez ça un peu dégueu que je manipule toutes les limes, c'est de la faute à Laetitia qui m'a dit de prendre la plus molle. Ah, elle est pas pire. Ouais. J'ai acheté aussi de la coriandre, même si je sais qu'il y a bien du monde qui aime pas ça. On a ici du manioc, un légume racine comme la patate, qu'on appelle en Amérique latine le yuca. Guacamole. Ouais, pas la guacamole. C'est des avocats. C'est avocat. C'est pas la même chose, c'est avocat. Tu mais ça goûte, différent, oui. Est-ce que ça goûte pas pareil? Ben, c'est comme pomme de terre sucrée et pomme de terre. OK. C'est à peu près ça la différence. OK. J'avais déjà mon bœuf haché pour faire mes tacos, mais cette épicerie a une très grande sélection de viande avec des coupes pas ordinaires. Il me fallait une bonne sauce, je me suis laissé tenter par la sauce chimichurri. Il me fallait aussi évidemment des tortillas de maïs. Moi j'aime bien mes tacos bien mous. Comme ça aussi, on peut refaire venir ce petit pain dans la poêle. Dans cette épicerie, on vend aussi des piñatas. J'ai toujours rêvé de fesser sur une Barbie. Comme je vous disais, le Sabor Latino, c'est pas juste une épicerie, c'est aussi un restaurant. Avec tous les classiques, tacos, enchiladas, quesadillas, etc. Leur choix de viande a vraiment l'air délicieux. Mais nous autres, on était là pour manger du dessert, pour bien digérer les empanadas des deux restaurants précédents. Et j'ai découvert un nouvel aliment. Donc, répète-moi, ça c'est alfajor. Alfajor de maïsena. Avec du dulce de leche dedans. Avec dulce de leche. Caramel du lait.
un petit au beurre avec du caramel, c'est super bon. Un churro con dulce de leche. Wow, j'ai hâte de goûter ça. Les churros pleins de dulce de leche étaient vraiment, vraiment bons. Là, on arrive à un commerce qui se prétend une librairie espagnole. Mais ça a plus l'air d'une petite épicerie. Et en effet, ils vendent beaucoup de produits alimentaires à saveur latine. Mais c'est dans le fond de la boutique que ça devient intéressant. On y vend ici des souliers de course. Ben oui, toutes sortes d'espadrilles et de souliers de toutes les tailles. C'est spécial. Et la portion librairie a été conservée, mais juste vraiment au fond de la boutique. On arrive maintenant à ce qui va être le restaurant qui est pas mal le plus chic de toute l'aventure. C'est un restaurant vénézuélien avec une ambiance très relaxe, mais quand même assez recherchée. Ça s'appelle le Bocadillo Bistro et il a un très grand choix de plats. En plus, il y a certains soirs où le restaurant a des spectacles. Alors, ça c'est ça? Ok, ça c'est les patacons. Alors, okay. C'est les plantains verts. Uh-huh. Et les gouttes, c'est complètement différent dans un plantain mûr qu'un plantain vert. Ça comme un chips. Okay. Les tequeños, que c'est très très populaire dans la Venezuela, c'est une invention vénézuélienne. Que c'est une pâte à l'estile brioche, plus ou moins, mm-hmm. et avec les fromages vénézuéliens à l'intérieur. Las arepitas, que c'est l'arepa de maïs, et ça sont plus petites. Normalement, les arepas sont grandes pour les, comme un sandwich. Mm-hmm. Las empanadas, qui sont faites aussi de maïs, sont remplies. Ici, par exemple, oui, vous avez bœuf, poulet. Et poulet. Ok, nous avons aussi fromage et poisson. Ah non, on demandait bœuf et poisson, c'est ça. Ah, ok. Et les sauces. Fromage, bon, fromage vénézuélien frais. Et ça, c'est la sauce chipotle fumée. Ça, c'est un petit pot de salade de choux à la vénézuélienne. Ok. La crème d'avocat, mm-hmm. Les picos de gallo et c'est notre fameux sauce à l'ail avec les coriandres que tout le monde okay. Adore et met partout. C'est la même chose qu'on a avec le yuca, avec la sauce oui, à l'ail. Oui, ça c'est la sauce à l'ail avec le manioc. Voilà. Excellent. Ouais. Ben, merci beaucoup. Une petite sauce à l'ail, là, on va goûter à ça. Mm. Tellement supérieur aux patates frites. Là. C'est un autre monde. Super bon. Là-bas, c'est les bananes plantains. Ok. Et les noms, c'est patacon. Patacon. Hum. Mmh. Une petite sauce tomate. Ah oh, oui, c'est doux, doux, doux. Empanada. Oh, empanada, curieusement. Mais là, au moins, je veux savoir aujourd'hui la différence entre un arepas et un empanada, c'est tout ça. Et celui-là, il est au poisson. On a commandé un poisson et un au bœuf. Vous goûtez bien le poisson. Il y a un petit côté piquant, mais on goûte surtout le poisson. Mm-hmm, c'est bon. Avec la farine de maïs, comme me dit Laetitia. Qu'est-ce que tu me conseilles comme sauce à aller avec ça? C'est vraiment très bon, Bocadillo Bistro. Je vous le conseille fortement. On est maintenant rendu sur la rue Saint-Zotique, pas tellement loin de la rue Saint-Denis, pour un restaurant El Salvadorien, La Careta. Ou on dit peut-être juste Salvadorien, je sais pas trop. Il faut commander sur un menu qui est sur des codes-barres. Ben oui. Pour une seule fois, je suis ici avec ma sœur. Elle s'est commandé une horchata. Mmh. C'est sucré? Oui, c'est sucré. Frijoles y queso, donc des haricots et du fromage. Avec des petites poupousses. On s'est commandé un combo avec des poupoussas, la spécialité du pays. Alors, un poupoussas, c'est ça. Ça ressemble comme un arepas. C'est un pain plein. C'est juste construit avec les ingrédients qu'on met dedans, mais c'est pas comme un tacos ou un. Ça goûte quoi? Porc et fromage. Mmh. Fromage est vraiment bon. Mmh. Excellent. Un autre restaurant que je vous conseille fortement. On s'éloigne maintenant un petit peu de la rue Saint-Laurent et on arrive sur la rue Ontario dans l'Est.
pas très loin du métro Frontenac. On a ici un restaurant mexicain très typique, avec une décoration vraiment très bien assumée. Le restaurant mexicain Guadalupe nous amène dans une ambiance typiquement latine, avec toutes sortes de très belles décorations très festives. Eux aussi ont un très grand menu, très exhaustif. Il y a pas mal de tout ici. Alors, selon Laetitia, c'est le meilleur margarita à Montréal. On va goûter à ça. Chin-chin. Salud. Sérieux, c'est comme si j'étais au Club Med. Super bon. J'ai commandé des enchiladas typiquement mexicaines avec la sauce mole. Gracias. C'est un peu comme des petites crêpes, bien du fromage, des fèves, du poulet et la sauce au chocolat. Tellement bon, tellement différent. Excellent. Merci Laetitia. Alors, c'était mes quelques adresses de bonne bouffe latino-montréal. Évidemment, il y en existe des dizaines d'autres. Et vous, avez-vous une chouette place préférée à Montréal pour vous procurer de la bouffe latino? Si oui, écrivez dans les commentaires. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Allez voir mon Patreon, dont ça fait toujours du bien. Et là-dessus, on se dit à très bientôt!